c'est le jour 1. Ah, j'ai échappé au grand-papa. Oh, le ca... Ah, oh, ah, oh, ah. Si j'ai l'arme. Ah, bon. Ah, j'ai la coconut. Ah, ah. Oh, oui. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire une deuxième vidéo sur Granny chapitre 3. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur ce nouveau chapitre 3. Mais aujourd'hui on va faire la deuxième. On va enfin sortir de la maison. Mais en mode practice. Oui. Parce que vraiment c'est très difficile. C'est génial, on a un gros programme aujourd'hui, alors c'est cool. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Yeah, quelque chose à vous montrer. Yeah. Et voici les goodies. Enfin, que dis-je, les goodies, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir ça, c'est plus que des goodies que Aorus m'a envoyé en même temps que l'ordinateur. Je vais vous le remontrer aujourd'hui, bien sûr, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Je tiens à remercier mille fois l'équipe France Aorus pour m'avoir envoyé tout ça. C'est complètement dingue. Vraiment super sympa de leur part. Complètement fou. Il y a des choses que vous pourrez vous procurer également. D'autres, j'ai pas trop trouvé. 6 objets à vous montrer tout de suite. On va commencer par le plus simple. Casquette très sympathique, vous le voyez, avec ici brodé le logo Aorus que je trouve super joli. Je dois en porter de plus en plus parce que voilà, protection du soleil. T'as vu tout ça. Ici, il y a des détails orange. Alors, bien sûr, le thème, c'est orange, noir et blanc aussi, hein, au niveau du logo. Thème graphique d'Aorus. Je l'ai pas encore essayé. On peut la régler à l'arrière comme ceci. Très pratique cet été. Je vais la porter et vous la retrouverez sûrement sur mes réseaux sociaux. Alors là, on quitte l'été et là, ce sera pour plutôt l'automne-hiver. Hein. C'est le hoodie officiel Aorus. Toujours ici brodé. Alors, c'est pas imprimé, c'est vraiment brodé. Donc, j'aime beaucoup. C'est très qualité. Il est très grand. C'est un oversize. C'est un double L. Mais c'est pas très grave. Puisque, écoutez, moi, les hoodies, je peux les porter comme ça de façon très large. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut le fermer jusqu'en haut, donc avec la tête à l'intérieur. Il y a le gros logo Aorus ici brodé. Il y a également sur les manches ici et à l'arrière Aorus. Très sympa le hoodie. À mon avis, il a l'air de tenir chaud parce qu'à l'intérieur c'est un petit peu polaire comme ça. Vous le reverrez, ça c'est sûr. Passons maintenant à ce gros objet et celui-ci, je crois que vous pouvez l'acheter, le retrouver. Le sac à dos Ultimate Gamer. J'ai de eSports parce que Aorus est vraiment très présent sur la scène de la compétition sportive vidéoludique. Donc ça c'est cool. Il est énorme. Sur l'étiquette, il y a écrit que c'est pour des ordinateurs portables de 15 pouces. Je pense que mon ordinateur 17 pouces va rentrer. Il y a plein de poches partout. Le dessous plastifié sur une surface mouillée. Voilà, ça va pas s'absorber. Des bretelles en alvéole comme ça. Donc c'est bien rembourré. C'est des bulles d'air. Très très bien pour ne pas vous faire mal au dos. Rembourré également à l'arrière. Vous le voyez ici. Il y a de la mousse. La poignée est très importante. La poignée avec le logo Aorus. Mais surtout, elle est en mousse comme ça. C'est du polyester et du nylon. C'est résistant à l'eau. Ça peut contenir jusqu'à 30 litres. L'ouverture principale, elle est en haut comme ceci. On ouvre et à l'intérieur, on a ça. Pochette de protection. Et vous le voyez, ça rentre sans problème. Même le 17 pouces rentre. Hein. On va passer maintenant aux deux objets technologiques, une recharge sans fil pour Apple et Android, 7,5 watts, 5 watts et même 10 watts. Vous posez ça sur votre bureau, votre table de chevet, où vous voulez. Il vous suffit de poser le téléphone pour que ça fonctionne. Et à l'intérieur, oh, elle est toute fine, regardez, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi fine. On a le logo Aorus toujours, mais de façon subtile. À l'arrière, il y a 4 petits coussinets, une prise, hop, USB normal. Donc voilà, la recharge sans fil Aorus est ici, elle est posée. Je vais la brancher parce que vous allez voir, il y a un effet lumineux. J'étais surpris, je m'y attendais pas. Du bleu et du vert. Donc je vais prendre un iPhone qui est complètement déchargé. Quand je vais poser là-dessus, regardez, ah bah s'il me dit voilà, faut charger, et là hop, ça charge, et le chargeur devient bleu, ça charge. J'ai également un Android, Sony Xperia 1 Mark 2, je le place ici. Ouh, ça y est, ça charge, il y a le petit logo de charge juste ici. Ça fonctionne avec tout ce qui se charge sans fil, les écouteurs sans fil, ça c'est les AirPods Pro de Colorware. Je vais les placer sur le chargeur, et oui, ça devient bleu, et ça s'allume, preuve que ça charge. Bien sûr, la souris Aorus M5, bien sûr, vous pouvez la retrouver hein, en vente. Je vous mettrai de toute façon des liens dans la barre d'infos. Je crois une des meilleures souris dans la gamme Aorus. C'est une souris avec fil, moi je préfère. Pas mal de boutons, et surtout du RGB, de la lumière, tout ça. Donc ça ira très bien avec le PC, avec le Aorus 17G, 16 000 DPI. Au niveau du capteur optique, donc une précision de malade. On peut ajuster aussi le poids. Enfin vraiment, elle a été pensée pour la compétition. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Petits autocollants, un antidérapant ou alors mettre en blanc au lieu du noir. Ça c'est pour justement ajuster le poids. J'ai l'impression que ce sont des petits pois. Pas des petits pois qu'on mange, très drôle. Mini pois en fait, 2,5 grammes chacun. Vous pouvez placer ça au niveau de la souris pour l'alourdir un peu. La voici, la voilà. On la branche au PC et c'est fini. Très joli, en dessous elle a l'air de glisser vachement bien. Le clic. Très sympathique, le clic, la prise en main top. Ici, c'est un truc antidérapant en caoutchouc. Très agréable de poser sa main. Deux boutons supplémentaires ici, deux boutons supplémentaires ici. Ça, c'est pour régler le DPI, donc la vitesse du pointeur. Une molette ici avec des petits crans antidérapants qu'on peut cliquer également. Très complète, vraiment stylé, comme un peu une Batmobile quoi. Elle me fait penser à une Batmobile. On va la brancher. On se retrouve ici avec le PC. Vous le voyez toujours aussi joli et magnifique. Voilà, j'en suis vraiment ravi. Il est sublime, il est incroyable, il est puissant. Il fait pas de bruit, il est top. Mais là, je suis là pour vous montrer la souris.
Ça y est, j'ai branché la souris à Horus. Regardez les lumières qu'elle fait. Non mais c'est la boîte de nuit, c'est Disco Night. C'est super joli, bien sûr vous pouvez le configurer avec le logiciel sur le PC. Vous voyez, ça s'allume vraiment partout, c'est super joli. Ça fonctionne nickel, regardez, hop hop hop. Ouh, vous voyez, c'est super joli. Et c'est très très fluide au niveau de la roulette. Ça fait des petits clics et c'est très agréable parce qu'on peut vraiment s'arrêter où on veut. Pour contrôler la lumière de la souris, le logiciel en question s'appelle RGB Fusion 2.0. Vous le retrouvez sur le site officiel d'Aorus. Et ici, vous pouvez bien sûr configurer les lumières des souris, des LED. Énormément de choix, clignotements, des doubles flashs. Si je veux mettre en bleu, je clique sur le bleu. C'est bleu. Ma souris, elle est jolie. Et j'ai gardé l'objet qui m'intrigue le plus pour la fin, c'est l'Aorus robot. Je pense pas qu'on puisse le retrouver dans le commerce. Figurine Aorus, donc du logo en fait. Les équipes France de Aorus connaissent ma passion pour les figurines et ils m'ont mis la figurine Aorus, donc je suis complètement dingue. Quand j'ai vu ça dans le paquet, j'ai halluciné. Un énorme merci à eux. Elle s'allume parce qu'on peut mettre des piles. Les piles, c'est vraiment une pièce de collection avec le petit socle Aorus. Ouh. Et voici la figurine assemblée. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. C'est un robot phénix avec une tête d'aigle. Le logo Aorus juste ici, je vous la montre en détail. C'est vraiment argenté, donc ça brille, ça reflète la lumière. Le logo Aorus orange ici. On peut pivoter les bras, on peut pivoter les mains. C'est trop stylé, et puis surtout, moi ce que j'aime, c'est que c'est vraiment collector. La puissance de mon PC symbolisée en une figurine. Petit bouton à l'arrière, j'ai mis les piles, et quand on appuie, ouh, ça s'allume à plusieurs endroits. Ici, la cuisse, à l'intérieur également. Le logo Aorus qui s'illumine en orange, et les yeux aussi qui s'allument en orange. Trop classe. Donc voici qui complète tous les goodies que je voulais vous montrer aujourd'hui à propos de l'Aorus. J'ai installé un nouveau jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, il n'est pas très nouveau, mais je l'ai installé sur mon PC et il est incroyable, il est beau, je suis en mode ultra avec la fluidité à fond. Voilà, je vous mets la petite séquence ici parce que je voulais vous montrer à quel point ce PC était puissant et capable de faire de belles images de jeu. Alors, petite image de Cyberpunk sur le 17G. Et encore un grand merci à Horus. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Merci grand comme ça pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et justement, les 3 commentaires viennent de cette vidéo. C'était la première vidéo Granny chapitre 3. Ah, que vous voyez là, la miniature, oh, trop jolie. Le premier commentaire vient de Amy Magic qui me dit: c'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait un nouveau chapitre de Granny. Je l'attendais tellement, ce chapitre c'est incroyable. J'adore ce jeu comme Ice Cream Evil Nun, je t'adore Max. Merci beaucoup, je vous adore aussi. Et c'est vrai que j'adore ces jeux là également. Et c'est vrai que c'est plein de petits jeux comme ça sur mobile qui n'existent que sur mobile. On peut y jouer sur PC avec BlueStacks. C'est cool que ça vous plaise aussi. Le deuxième commentaire vient de Ren the Cow qui me dit: le gars avec les cheveux longs qui chante à l'Eurovision, on aurait dit Max. Celui qui participait pour l'Islande en fait, celui-ci. Hein, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont envoyé un message en disant: mais que tu fais à l'Eurovision? En tout cas, il était vachement cool. J'ai beaucoup aimé sa chanson. Il était dans mon top 5, je crois. Bizarre. Et le troisième commentaire vient de The Playlist of Cassidy qui me dit: le jeu a l'air formidable. J'espère sincèrement qu'il arrivera vite sur iOS. Si quelqu'un a la date, merci d'avance. Au moment où je tourne cette vidéo, il est toujours pas dispo sur iOS. Donc si quelqu'un a une info, quelque chose, bien sûr, vous me mettez dans les commentaires. Mais en tout cas, ça va arriver parce que tous les jeux du même développeur sont sur iOS. Donc il n'y a pas de raison. Merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo. Si vous voulez être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va aller s'installer dans l'espace gaming pour retrouver Granny, Grandpa et Slendrina. Alors suivez-moi, let's go. Ouh, ça y est, je suis assis. Yeah, l'ourson, oui, il est juste là. Il avait pas trop envie de retourner dans la maison de grand-maman, grand-papa et Slendrina. Je l'ai un peu forcé parce que quand même, j'ai envie d'un peu de compagnie, même si vous êtes là. On va essayer de s'en sortir, ça me fait super plaisir. Je vais y jouer toujours sur Android. Sony Xperia 1 marque 2. Toi, tu laisses dès maintenant un max de pouces bleus. Je compte sur toi pour exploser les pouces bleus pour Granny quand même. Et puis bah, c'est parti. Et nous voici dans l'écran d'accueil de Granny 3. Nous voyons... Ah, Slendrina est là derrière, vous la voyez? Parce qu'elle arrive, elle disparaît. Attention, elle va s'en aller. Si, 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 c'est un fantôme. Et bah là, elle s'en va pas. D'accord, merci Slendrina de ne pas faire ce que je dis que tu vas faire. Bon, en tout cas, on voit les grands-parents et Slendrina derrière, c'est la petite famille réunie. Il m'a tiré dessus. Ah, il y a Slendrina devant. Non, mais alors, je vous avais dit qu'elle allait bouger. Elle me fait peur, j'aime pas, qualité élevée. On va pas mettre l'intro, si vous voulez la voir, allez la voir dans la première vidéo. On joue en mode facile, on y va, c'est parti. Va-t'en. Slendrina, que veux-tu de moi? Bon, c'est parti. Jour 1, c'est le jour 1, le jour qu'on retient pour essayer de ne pas décéder. C'est le but, hein, dans Granny. Enfin, le but, non, c'est pas de ne pas décéder, c'est de s'en aller. Ah, oui, de trouver les objets, de les combiner. Et de partir d'ici. Alors, on fait le lockpick. Bonjour. Comment? J'ai oublié déjà. Ah non, c'est là, au niveau de la serrure. Moi alors, quelle andouillette. Allez, on va sortir, première étape. Il faudra aussi faire le lockpick sur l'autre porte. Bien sûr, comme c'est le premier jour, on va lentement. Merci bien. On va d'abord voir ce qu'il y a ici. Rien.
faut trouver Padlock Key, les pots avec de l'eau. On sait maintenant qu'il faut remplir les pots avec de l'eau. Ah! Oh! Ceci dit, j'aurais pu regarder avant pour voir s'il y avait un objet. Pas perdre de temps, c'est pas grave. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas déverrouillé en haut, ils peuvent pas venir. Eh ben, y'a rien. Merci, je referme et j'y vais. Assez charmant, regardez l'ambiance de cette maison, les murs. Oh, quel joli papier peint. C'est acheté chez Conforama. Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est acheté chez Granirama, le centre commercial des granis psychopathes. Vous trouverez une sélection... Oh, waouh! Une sélection de bêtes de baseball, de rire, de dents acérées et de pieds à loup. S'il te plaît, fais qu'elle m'a pas vu. S'il te plaît, je viens de commencer. S'il te plaît, un peu de gentillesse dans ce monde de granny. C'est bon. Non, je ne veux pas jouer à hide and seek. Donc elle sait que je suis là, hein. Elle m'a vu. Ah, elle est repartie là-bas. Qu'est-ce que... Elle s'en va. Ah! Mais je suis pas venu ici. Je sais pas me défaire de ça, je ne sais pas. Vous avez vu, dès que j'essaie de détourer mon regard... Non, pas détourer, détourner mon regard, ça revient vers elle. Donc est-ce qu'il faut que je fasse vraiment des longs passages? Je ne sais pas. En tout cas, elle m'a eu, Slendrina. On apprécie. J'ai mal au cœur. Ah, crise cardiaque en direct. Allez hop, c'est parti. On déverrouille, comme si on avait ça à faire. Oh, je sens que le mode practice va être à nous dans pas longtemps. Hein? Voilà, parce que j'ai échappé à Granny tranquillement, stratégiquement. Et t'as Slendrina qui arrive en mode « Eh ben non, coucou !» Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a vu? Il y a une musique là. Oh, 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 oh! Va falloir commencer par se calmer. Alors, quelqu'un d'entre vous m'a dit, même plusieurs d'entre vous m'ont dit, qu'apparemment, pour se débarrasser de Slendrina, il fallait mettre le Teddy dans le berceau. Oui, j'aimerais bien. Sauf que quand tu prends le Teddy, t'as les grands-parents qui sont en mode « Non, 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 non !» Donc voilà. Allez, on observe partout ici. On a les cartouches. J'ai besoin d'un shotgun. Oui, peut-être que je peux récupérer le shotgun du grand-père quand il... Mais oui. La dernière fois, j'avais réussi à l'assommer. Oh! Ah! Raté! Ça c'est quoi? Il y a une plaque en métal. Raté! Il me rate. Passe par où? Passe par là. Ah! Vite, va là. Ah! Active ça. Va-t'en. Je m'en vais. Au revoir, papy. Au revoir. J'ai échappé au grand-papa. Et ça, c'est un miracle. J'aimerais bien partir de là. Ah! J'ai raté. Ah! J'ai raté l'étage. C'est pas grave. On va aller voir tout en haut ce qu'il y a. Slendrina, à mon avis, bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la chaise roulante. Là. Ah! Le fameux berceau. Bien, 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 bien. Sauf que je n'ai pas le... Voilà. Bien. Bon. On va aller au deuxième étage. Hop. Salut, bye. Au revoir, la chaise roulante sympathique. Il y a le pot aussi à récupérer en haut. Hein? Mais ça, il faut le lance-pierre. Donc, il faut la clé de l'arme. Allez, on ne rate pas le coche. Merci. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Rien. Rien du tout dans cette pièce. Hein? D'accord. Hein? Bon. Ici... Rien, faut faire le feu. Là, c'est là. Ouh, à la boui, boui, boui. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-ci? Ah! Hop là. Salut. Je ferme la porte. Je m'en vais. Je vais observer là, quand même. J'ai le temps ou pas? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Oh! Le... Ah! J'ai le câble du générateur! C'est ça? Je crois que c'est ça, non? Attendez. Fuse? C'est où le générateur? C'est où? Attendez, 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 attendez. J'ai le câble du générateur, je l'avais jamais eu. C'est... Bah alors c'est dehors, attendez, je vais passer par là. Ça se trouve c'est dehors. Ouh! J'ai un truc! Bon, je vais voir si c'est dehors, sinon c'est que c'est dedans. C'est logique! Bravo Max! Il est où le générateur? Bon, alors attention, hein. Faut y aller doucement. Oh, il y a une planche. Ouh, j'ai la planche. Alors, attendez. Là, il y a une petite marche, là. Hop, là. Ensuite, là. Quoi?
Je flotte dans les airs, c'est normal ça? Mais... Oh! C'est bon? Alors ce que je vais faire, je vais dropper ça là-bas. Oui! Comme ça. Je prends ça et je drop ça là-bas. Voilà! Alors, je vais faire le tour par là, voir si... Non, je peux pas. Bon. Voilà. Prends ça. Ah mais non, mais le générateur, il est dans la... Oui, je sais où il est. Il est dans la cabane, c'est bon. Ça y est, ça me revient. Quelqu'un m'a vu? Ou c'est la musique? C'est la musique. Je n'ai pas la clé de la maison, mais je vais laisser le câble devant, comme ça. Je serai prêt si je trouve la clé, hein, voilà. Hop! Merci! Oh! Ah! Ah! Ah, il me tire dessus! Il est méchant! Ok! Je lui ai échappé! Bon! Et Granny alors? Où qu'elle est? Je sais pas pourquoi je demande, j'ai pas envie qu'elle soit là. Par là j'ai vu. Bon, on va essayer d'aller là. Oh! Ma! Je vais aller par là, hein? On va prendre l'ascenseur. Ah. Là, y'a quoi? Y'a rien. Oh! D'où? Non! 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 Evie? Non! Oh! Ah! Il m'a tiré dessus! Il est méchant! Mais il est méchant! Mais je n'y crois pas! C'est autant de méchanceté dans un seul être! Vivant, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est des morts vivants. Ça se trouve, ils sont décédés. Mais alors pourquoi je pourrais les endormir? Non, ils sont pas décédés. Ils sont juste moches, psychopathes. Et très très vieux. Bon, troisième jour. On apprécie. Bon, au moins j'ai trouvé des objets. Ce n'a pas été un jour en vain. Ni en eau. Bien, et j'aimerais... C'est quoi ça? Ah ben là, c'est rien. C'est une étagère qui ne tire rien. Bien sûr. Où est-ce que j'ai pas regardé? Nous avons... J'ai envie d'aller à l'étage. Oh. Très bien. Va-t'en, mamie. Oh! Mais vous voyez, mais je suis coincé! Je pète un câble, puisque Slendrina, c'est vraiment la pire des trois, là. La pire. The worst. Jour 4. Ce jour-là, par contre, il n'a servi à rien. Non, à rien. J'ai beau chercher, je ne vois pas. À rien. À rien. Très bien, on y va. Hop, on déverrouille ceci, j'ai du ketchup sur l'écran, ce qui signifie que c'est bientôt la fin de cette première partie. On va ensuite faire le mode Praketis, où là on sera bien tranquille. Ils vont moins rigoler les grands papis là. Bien. Bon, moi je fonce, Taïo, hop. Voilà. Mais pourquoi? Voilà. Là j'ai pas été. Ferme. Ah, merci, qu'est-ce qu'on a? Rien et... Ah! Ça m'aurait étonné. On n'a rien nulle part. Mais comment vous voulez que j'y arrive? Bon, et là? Oh! Ça a fait du bruit? Mais... Je m'en vais... Oh! La boui-boui! On s'en va. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en va. Je m'en vais. Je quitte la maison. Voilà. C'est marrant parce que dans les deux premiers granits, on pouvait pas aller à l'extérieur. Et le seul moment où on allait à l'extérieur, c'est quand on avait réussi le jeu. Et là, on a la porte d'entrée qui est ouverte. En mode tranquille, elle est ouverte. Ah! Non mais, ça y est, j'ai évité Slendrina. Je suis content, merci, salut. J'en peux plus, hein. Bon, la planche. À quoi sert la planche déjà? Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert la planche? Oui? Et les oiseaux? Vous pouvez pas m'aider, là? Bon, je peux repasser par là. Et c'est ce que je vais faire. Mais pas avant d'avoir récupéré, hop, le caillou. Comme ça, si j'ai l'arme... Ah! Ah ouais! Bah bien sûr! Mais oui! Mais voilà, Granny, elle est là! Vilaine! Mais quelle vilaine! Mais j'ai jamais vu une vilaine aussi vilaine! Que tout est vilaine des vilaines! Ah, il y a un truc là qui brille, c'est quoi? Ah! Ah bah c'est la planche. Ok. Bon. Eh, hey, y a rien sous le... Welcome! Bienvenue! Bonjour, bienvenue! Non merci, hein, t'as bienvenu là. Tu te la gardes! Bien! J'aimerais explorer cet étage-là, est-ce que c'est possible, enfin? Merci! Bon. Là, nous avons des tiroirs. Oh! Nous avons les allumettes! Mais je n'ai pas le bout de bois! Ok. Est-ce que le bout de bois ne se trouverait pas? Quelque part. Eh, la planche, c'est là. La planche, c'est là, je suis sûr.
Je suis sûr. Bon, je vais essayer de récupérer la planche, ok? On essaye? Allez, on essaye! Pour ceci, je vais passer par là. Parce que j'aurai accès à l'extérieur depuis les toits. Tata hop, on y va. On passe par là, on s'accroupit sur le premier toit. Ensuite. Quoi? Qui m'a vu? Mais il est où le pot? Ah, il est là. Hop là. Ensuite, hop là. Et ensuite, la planche, elle est là. Bon, c'est mission un peu impossible, hein, mais on va essayer. Écoutez, qui ne tente rien à rien. Oh, la musique, elle me fait stresser, j'ai l'impression qu'ils sont là. Oh bah non, bah ils montent. Ah! Ah oui! C'est bon. Je vais passer par la cuisine du coup. Je vais prendre l'ascenseur à la cuisine. Pas bête. Pas bête, la bête. C'est mardi. En plus, Granny va être attiré par le bruit du piège, donc c'est très très bien. Je crois que la cuisine, elle est pas loin. Ouh, on va pouvoir accéder. Attendez, je... Ah! Non. Ok, ok, c'est bon. Sandrina, c'est la pire. Elle surgit, on sait pas quand, elle me fait flipper. J'ai mal au ventre. Bon. Allez. Je vais donner tout ce que j'ai. C'est parti. J'espère que l'ascenseur est là. Ok. Oui, c'est bon. On va essayer de placer la planche. On va essayer de placer la planche et accéder à une nouvelle zone. Enfin! Allez, on va encore plus haut. Ou pas. Non, c'était là. C'était là parce que plus haut, c'est trop haut. Bon, ceci dit, je crois que je peux accéder. Attendez, je vais la remettre en bas. Je vais remettre l'ascenseur en bas puisque ça peut servir. Bon, alors, attendez, on y va, on essaye. Hein. Voilà. On essaye. Oh! Oh! Oh, quelle est vilaine. Laisse-moi aller, s'il te plaît. Ouais. Ouais. C'est où déjà? Là-bas. Ok. Dites-moi que c'est ça! Oui! Je le savais. J'avais un doute. Ok. Bah, après, faut que je reprenne la planche? Comment je fais? Pourquoi je suis venu là? Ah non, d'accord. Oh! Nouvelle pièce, j'ai la coconut. Oh, je suis content. Ah oui, je suis heureux. Non, c'est pas le plus beau jour de ma vie non plus, hein, faut pas exagérer, mais bon. Allez, bon bah du coup, hop, je vais aller casser la... Ah, non. Bon bah je la drop là, hop. Je m'en fiche, j'ai droppé la coconut, tu peux me frapper tant que tu veux, Granny. Ah. J'avais la coconut. J'aimerais savoir ce qu'il y a dedans. Bon, il me reste une vie, hein. Dernier jour, 5 jours, 5e. The last day. Merci, on apprécie. Merci de nous prévenir que c'est ce jour-là qui va être la fin. La fin de nous. Bon, je vais récupérer un autre coco si je peux. Et puis après, on recommence en mode practice. Parce que là, quand même, j'aimerais m'échapper au moins une fois. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hein? Allez hop, c'est parti. Je vais chercher la coconut. Si je peux, bien évidemment. Alors, je sais pas où je l'ai balancé. Hein. Allez là. Cocori. Donne-moi ça. Oh, oh là là. Il va me tirer dessus. Ah. Mais non. Mais il m'énerve avec son shotgun. Lui, je vais lui prendre et je vais... Bon. Calmons-nous. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu. Ah bah voilà. Mais ça, on a déjà vu. Vous allez mettre le feu, mais vous allez exploser. Hein. Vous êtes au courant que vous allez exploser, vous aussi. Ah. Ils n'ont pas l'air au courant. Pourtant, ils l'ont déjà fait, hein, c'est pas... Allez, hop, on met ça là. 3, 2, 1, ça fait boum. Allez, bah bonne nuit les grands-parents, hein. Vous partez avec moi. Et d'ailleurs, on peut pas nous voir dans le... On peut jamais savoir à quoi ressemble le joueur, le personnage. Bon, c'est pas grave, hein, game over. Mais on va faire le mode practice, et là, on va pas faire un game over, je vous le dis. Nous allons partir, donc play, practice. Ah, regardez, alors extrême, ils sont... Là. Ah! Ah voilà! Je les ai fait disparaître avant qu'ils puissent tirer. C'est bien. Bien. Jour 1. Alors, est-ce que du coup, on est encore enfermé? Si oui, qui nous a enfermé? Je ne sais pas. Peut-être qu'on trouvera le mot. Vous savez, dans le premier Granny, quand on mettait en mode practice, il y avait un mot de Granny sur la porte qui disait « Je suis parti faire des courses! Je reviens bientôt! » Ah! Oh! Faut quand même faire le lockpick. Bon, au moins, on a qu'à le faire une seule fois. Hein.
Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va essayer de voir toutes les sorties possibles parce que j'imagine qu'il y a, il y a deux sorties en fait, je pense. Il y a... Quoique... Bah non, il y a qu'une sortie. C'est avec la voiture et le pont-levis. Ah non, il y a là aussi. Il y a cette sortie-là. Donc il faut mettre les deux pots. Et là, à mon avis, ça ouvre un tunnel. Et il y a la voiture avec le pont-levis, etc. etc. Donc j'aimerais bien voir les deux fins. Bah, pour ça, il faudra jouer deux fois. Mais on va voir. On va voir pour l'instant. On ouvre. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Très bien. Là, au moins, je sais que je suis tranquille. Je pense qu'il n'y a pas Slendrina. Je vais quand même essayer de mettre le Teddy. Parce que peut-être que je peux mettre le Teddy en mode practice. Hein. Dans le premier, on pouvait. Donc, pourquoi pas. Voilà. Là, je sais que je vais pas sursauter. On est bien, on est tranquille. Est-ce qu'il y a des objets ici? Non, il y a la télé. Oh, la musique! La télé ne sert à rien. Ah, il y a des tiroirs là. J'avais pas vu tout à l'heure. Bon, là, c'est ouvert, il n'y a pas de mots. Oh, ils m'ont pas laissé de mots, ils sont pas cool. Là, qu'est-ce que nous avons? Rien. Cuisine. Ah, eh ben, franchement, si on avait eu ça tout à l'heure, ça aurait été beaucoup plus facile. Hein. Là, on a dû galérer avec la planche pour trouver la coconut. Merci. Hein. Bon, on va directement faire ça du coup. Je vais pas prendre des cailloux. Ça sert à rien de prendre des cailloux. Ah ouais, il y a le coffre de la voiture aussi. Bah non, il n'y a rien. Maman. Il y a quoi dedans? Oh, il y a le Teddy. Ça répond à la question, est-ce qu'on peut mettre le Teddy en mode practice? Oui, on peut. Et c'est ce que je vais faire. Bon, pour l'instant, on va aller couper la coconut. Allez, plus vite. Hé, Julie. Ils sont passés du melon à la noix de coco, ça reste quand même des fruits un peu des îles, un peu tropicaux, tout ça. Allez, slack. Et schlack. Oh. Mais d'où il y a Slendrina? Je suis pas d'accord, hein. Oh, 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 oh. I am not okay with this. Ceci dit, j'allais dire ça sert à rien de prendre des cailloux. Bah, c'est faux, puisqu'il faut faire tomber le pot. Donc on va récupérer les cailloux, Fissa. Allez, on me gratte. Je me gratte. Allez, un petit caillou par ici. Bon, du coup, je vais aller vraiment faire le Teddy pour être tranquille, parce que sinon, Slendrina va pas me lâcher. C'est normal que je n'ai vu qu'un caillou? Ah, il y en a un de l'autre côté, je fais comment, moi? C'est malin. Caillou! C'est où les cailloux? J'en ai qu'un? Ah, faut pas que je me rate, hein. Bon. Je vais aller placer Teddy tout de suite. Ça va, là. Ça suffit. Je n'en puis plus. Ouvre-moi ça. Voilà. Oh là! Bon, je la récupérerai. Ah! Tourne! Voilà. En fait, faut vraiment mettre un gros coup de regard vers l'opposé, en fait. Est-ce que là, vous croyez qu'elle va vraiment s'énerver encore plus parce que j'ai son Teddy? Je ne sais pas. Mais je vais le placer, je vais le placer, c'est bon. Oh là là! Tout ça parce qu'elle veut pas prêter son ours en peluche. Je prends mon temps quand même, j'observe, hein, voilà. Ok. Est-ce que c'est là déjà? Ah non, c'est là où il y a le... C'est encore plus haut. D'où? D'où c'est fermé? Mais... Bon, attendez, j'observe là. On n'a rien. Du coup, je vais passer par l'ascenseur, alors j'ai pas le choix. Hop, hop. Mais d'où c'est fermé? Ah, 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 oh. Bah, j'aurais pu déverrouiller en haut, alors. Attendez. Mais pourquoi il faut faire ça en mode... Mais va-t'en, vilaine! Ok. Donc c'est bien parce que du coup, il n'y a pas besoin de chercher 36 milliards de clés. Donc je vais là. Quoique... Non, c'est pas là. Attendez. Je m'y perds. Il est où ton berceau? Ah oui, non, on peut pas passer. Ah oui, c'est ça. Bon, il faut vraiment que j'aille à l'ascenseur du coup. Bon, alors, je vais passer par la cuisine. Ça ira plus vite. Allez, go. Voilà. Voilà. Tout droit. Heureusement, les grands-parents sont pas là, sinon je me serais fait frapper au moins 3 fois déjà. On verra la cuisine plus tard, quoique. En passant, hein, ça coûte rien. Ah, il y a là aussi. Vous permettez? Voilà, je fouille. Merci. Nous allons aller à en haut. Il n'y a pas d'électricité? C'est une blague? C'est quoi ce mode practice hyper dur? Bon, bah, je vais laisser ça là, comme ça, il sera prêt pour... voilà. Là, oh, il faut tout déverrouiller. Eh, ils se sont dit le mode practice, ok? Il n'y a pas les grands-parents. Mais on va t'ajouter des difficultés, mon coco. Bon. Je vais aller chercher la clé de l'arme. Je vais aller récupérer l'arme. Et je vais faire tomber le premier.
pots. Du coup, je pense pas qu'on aurait le temps de faire les deux sorties aujourd'hui. On va simplement faire la sortie des pots. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Je ne sais pas. Nous allons aller chercher en tout cas la clé de l'arme. C'est l'objectif pour ceci. Retournons à la voiture. Ah, bah voilà mon troisième caillou. Hop. Alors, clé de l'arme. Ah, mais va-t'en. Voilà. On va chercher l'arme. C'est parti. C'est y part. Popopo, pipipim, bababam. Par là. Mais les oiseaux, ils sont là, tranquilles. Ils volent au-dessus de la maison. Ils disent... Oh, elle est moche, ta maison. On va là. Je sais que c'est pas là, mais... Ah si, c'est là. Autant pour moi. Voilà. Alors, hein, y'a qui? Bon, faut aller faire tomber le pot. Est-ce que je peux aller en haut? Oui. Oui. Eh? Eh ben non, je peux faire du piano sans avoir peur qu'ils viennent. Le pot est toujours là-bas ou pas? Oui. Très bien. Attendez, je vais essayer de le faire tomber par là déjà une première fois. On vise un peu en haut. Oh! C'est un miracle qu'il ne se casse pas, hein, ce pot. Bien, récupérons ça. Merci. Ah, c'est un vase. Ah, il y avait Slendrina, mais elle m'a pas fait. Non, cette fois-ci, c'est raté, Slendrina. Désolé pour toi. Je vais remplir le pot et je vais le placer. Ce sera déjà ça de... Fait! Oui, vous suivez, c'est bien. D'ailleurs, si vous êtes là, eh bien, mettez dans les commentaires... Un pot averti en vaut deux. Voilà, vous mettez ça, comme ça je sais que vous avez vu la vidéo jusque-là. J'ai raté l'eau, je crois. Ah non, elle est là. Excusez-moi, merci. Hop. C'est plein. Ah oui, mais si Slendrina me fait peur, ça vide le pot ou pas? Est-ce qu'ils vont penser à ce détail, les développeurs? Je ne sais pas. En tout cas, on va placer le pot, ce sera déjà fait. Par ici. Hop. Tout droit. C'est le pot de gauche. Hop, voilà. Oui, on a placé un pot. Il me manque un deuxième pot. Et je ne sais pas où il est. Peut-être dans la réserve. En tout cas, c'est parti. On continue. On cherche, on cherche. On fouille, on fouille. Pour l'instant, je ne suis pas décédé. Je dis ça et dans deux secondes, je vais décéder. Non, quand même, quand même. Allez, là, il n'y a rien. Je vais aller explorer plutôt à l'étage. Troisième, du coup. Enfin, deuxième étage. Quel troisième niveau, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc là, il n'y a rien. Dans cette pièce, il y a ça, là. Il faut trouver un fusible. Là, il me faut la planche. Et là, il n'y a rien. Pourquoi je suis venu là? Ah, il faut faire le feu aussi. Oh là là, allez. On va ben là. Est-ce que vous croyez... Attendez, je vais essayer. Est-ce qu'on est obligé de faire... Ah, mais elle était en bas. Vas-y. Est-ce que je peux faire fuir le corbeau avec le lance-pierre? Eh, testons. Parce que ça se trouve, comme ça, on n'a pas besoin de faire le feu. Bonjour. Il est où, il est là-bas? Est-ce que je peux lui tirer dessus avec ça? Bonjour, monsieur. Oh, ouais. Ah, non. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Ah, bah voilà, c'est bon. Je vais faire le feu. J'ai trouvé. Alors, attendez, d'abord, je vais dropper ça. Merci. Ah, très pratique. Bravo, Max. Je l'ai fait tomber là. Il fallait pas. C'est pas grave. Est-ce que je peux aller là? S'il te plaît. Est-ce que tu peux me... Voilà. Je vais récupérer la bûche. Ok. Et je vais aller faire un petit feu et récupérer ce que le corbeau me doit. Ok. Oh, on peut pas sauter. C'est là, c'est là, c'est l'étage du dessous. On passe par là, c'est au bout. C'est là. Bonjour. Hop. Voilà, maintenant les allumettes, je les ai vues dans un tiroir il me semble. C'était pas dans la cuisine. Je crois que c'était dans une pièce tout simplement. Oh mais, on la connaît cette pièce, pourquoi tu la numérouilles pas de base? Voilà. Je vais aller au bout là-bas, voir ce qu'il y a. Ok. Les toilettes, là y a rien. Est-ce que je peux... Oui, voilà, ça fait plaisir, hein, on tire la chasse. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, oh, j'ai la clé de la cabane. Eh bien, écoutez, je vais l'ouvrir. Mais avant cela, je vais quand même vérifier... parce que je sais plus où j'ai vu la... Ah, là aussi, on peut faire la cheminée. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'ai vu la, les allumettes, moi? Dans la cuisine? On verra. Je vais ouvrir la cabane. Ce sera déjà ça de fait.
pam pam pam, ou alors c'est dans la partie d'avant et je mélange tout. C'est possible aussi, hein. Allez, en route vers la cabane, hein. Voilà, on est arrivé à la cabane. J'active ça. Hop, hop. Bonjour. Est-ce qu'il y a un objet pour moi? Oui, à la planche. Et hop, je prends la planche ici. Ah ah. Bon, écoutez, on va faire ça déjà. Ok, ça sera ça de fait. Je vais allumer le feu. Allumer le feu. Hop. Alors ça se passe. Ah oui, c'est vrai. Ben non, ben y a pas d'électricité. Heureusement qu'en mode facile, il faut pas faire tout ça, hein, parce que. Ouh, je vais aller allumer le feu, récupérer le câble. Et je pense que c'est le câble. Ceci dit, ben non, c'est pas le câble. C'est quoi comme câble qu'il a le... C'est mystérieux, hein. Bon, en tout cas, il faut que j'aille faire le feu et que j'aille vite ensuite sur les toits parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Hop. Tac. Allez, go. Slendrina, ne viens pas, s'il te plaît. Merci. Très bien. Parfait. Ok. Voilà. On est sur les toits. Je vais aller récupérer ce que le corbeau avait. Tac, 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 tac. C'était quoi, c'était quoi, c'était quoi? Un câble de générateur. Ben, c'est parfait, comme ça on peut retourner là-bas. Je m'accroupis, je passe par là, par là. Je vais là, accroupi, par là. Hop, hop, on y va. Là, je pense que Slendrina va arriver parce qu'elle est énervée, parce que j'ai trouvé des objets, hein. Oui? Non? Très bien, elle ne vient pas. C'est parfait. Du coup, je vais allumer le générateur. Hop. Le câble, là. Où est-ce qu'on... Ah, là. Ok. C'est bon, là? Oui, il y a l'électricité. Parfait. Je prends la planche. J'y vais. Du coup, je vais prendre l'ascenseur. Hein, voilà. Hop, 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 hop. Ah, attendez, je vais placer le Teddy, là. C'est bon, c'est une urgence. Ok. C'est parti. Voilà. On va placer le Teddy, on sera enfin en paix. Non, oh, pas ce paix-là. La paix de Slendrina. Et on verra peut-être une animation, un truc spécial qu'on n'a pas encore vu. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà. Et hop. Mets ça là. Oh, regardez. Slendrina. Tu vas me laisser tranquille maintenant? Je t'ai rendu ton Teddy. Tu me laisses? Merci, t'es gentil. Bien. Il y a un truc là-bas. Slendrina est partie. Ouais! Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait faire ça pour être tranquille de Slendrina. Moi, je m'en vais. Je vais chercher la planche. Maintenant, on est tranquille pour de vrai. Et on va pouvoir enfin s'échapper de cette maison de l'horreur quand on aura trouvé le deuxième vase. Parce que là, c'est pas encore fait. Mais on s'approche, on s'approche. Je prends la planche, je vais aller la placer, tac, pour ceci. Je vais passer par les escaliers puisque c'est entre les étages. Là, c'est pas tout en haut de l'ascenseur, mais c'est pas tout en bas non plus. Donc voilà, je pense que c'est mieux de passer par ici. Hop, 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 par là. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Ensuite, par là, par là, par là. Par là, par là. La planche. Tac, on avance. Là, on frôle ici. Hop, hop, hop. Et on récupère. Ah! Oh! Je peux abaisser le pont maintenant. Ça non plus, on l'avait jamais fait. On va le faire de ce pas. Tiens, je vais passer par là. Hop. Peut-être que de l'autre côté, il y a des objets aussi. Mais ouais! Il n'y a pas seulement, à mon avis, bah, s'échapper. À mon avis, on peut trouver des objets. Hop. Attention, faut bien prendre la petite marche ici, ensuite descendre, toujours en étant accroupi, comme ça vous prenez aucun risque, et c'est par là. Ne pas tomber dans l'eau, conseil, puisque il y a le monstre. Tac. Voilà, regardez, le pont se baisse. Oui. Bon, bah, à mon avis, je peux pas sortir encore, hein. Si. J'ai ma réponse. Par contre, est-ce que je peux aller par là? Non. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a un objet? Non. D'accord! On est content! Ça sert à rien! Bon, j'ai activé le générateur. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai pas trouvé les objets. Ils sont où, les objets? Je vais retourner dans le shed, là-bas. Des fois, je trouverai un objet. Donc, dans le shed... Ben non, il n'y a rien. Ok.
Ah, c'est là où on contrôle la porte. Ça marche pas. Ok. Un fuse, bah oui. Si j'ai le fuse, je peux partir. Mais je vais pas le fuse. Vous voyez, la deuxième cheminée, elle est là. Donc je pense que... Est-ce que si on fait le feu dans la deuxième cheminée, ça va faire sortir un objet? Moi, franchement, je pense pas, mais bon. Ça coûte rien d'essayer, donc bah, on va essayer. Hé, j'ai trouvé une clé! Padlock key! Oh, à côté du berceau! Oh, padlock key! Bon, je vais ouvrir. Je sais que c'est dans le sous-sol. Ouh, j'ai jamais ouvert ça! Ouh, on y va! Et puis après, je ferai le feu, comme j'ai dit, mais bon. Ça se trouve, le feu, ça sert à rien, hein, c'est pour nous tromper. Mais bon, on va quand même essayer le feu après. Sauf si là, ça me permet de sortir, mais je pense pas parce que j'ai pas mis le deuxième pot, donc... Hop là, c'est là. Padlock, c'était là. Oui, à mon avis, ça, c'est fermé. C'est quoi? Ah oui, voilà, d'accord, j'ai besoin de faire le deuxième truc pour m'échapper, évidemment. Bon, on va essayer de faire le... Hop, je suis coincé. Non, c'est bon. Je vais essayer de faire le feu dans le deuxième étage. Donc, je prends la bûche. Ah, d'accord, je peux plus prendre la bûche. D'accord, donc ça, je ne peux plus faire le feu. D'accord, très bien. Bon, bah c'était une fausse joie, je continue de chercher. Oh, j'ai trouvé le deuxième pot! Il est là! Ah, d'accord! Bon, je vais chercher les cailloux, et puis on va faire tomber le deuxième pot. Puis on va s'en aller, hein, voilà. Alors bien sûr, j'avais mis le lance-pierre sur le toit. Très pratique. Donc, on y va, on passe par là. Voilà, j'ai récupéré mon lance-pierre. J'ai 3 cailloux. Eh bien, je remonte. Alors, je suis en haut et le pot... Bah, attendez, je l'ai vu. Je suis pas fou quand même. Il est où le pot? Je l'ai vu le pot. Il est où le pot? Je le vois plus maintenant. Ah, il est là. Ah d'accord, ah oui, donc on avait besoin de la planche. D'accord. On peut pas faire ça sans la planche, très bien. On vise, donc là faut viser à mon avis bien plus haut. Ah, pas trop quand même. Oui. Il est tombé là. Ok, on y va. Ah. Oh. Bon, j'y vais. Avec l'ascenseur, hop, je drop ça là, c'est parti. Voilà, je suis arrivé en haut. Quoi, il est où? Oh non, me dites pas qu'il y a un bug, hein. Ah, il est là. Prends-le. Oui, on va dans la cuisine pour le remplir. Et hop, on est dans la cuisine. Je le remplis avec de l'eau. Et je vais le placer. Oh, mais c'est hyper dur, tout ce qu'il faut faire avec les deux monstres là, les zigotos. Oh, bon. En fait, il faut d'abord mettre la planche pour... En fait, il faut mettre la planche pour déverrouiller tous les passages. Il faut prendre le lance-pierre, avoir 3 pierres. Essayer de, ouais, de les assommer, mais en même temps, après, t'as plus qu'une pierre, donc bon, voilà. Allez, hop! Oui! Ouvre-moi la sortie! Tu ouvres ou pas? Ça donne quoi? Ah, c'est pas la sortie? Ah! Safe key? Mais je croyais que j'avais fini! Ah! Mais il est où le coffre? Vous avez vu un coffre, vous, depuis le début? Je n'ai vu aucun coffre, moi. Bon... Cherchons le coffre maintenant. Ah, c'est là. Regardez, sur la colonne. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Un fuse. Oui. On va pouvoir activer le fuse et déverrouiller la porte centrale. Et cette fois-ci, vraiment s'en aller. Hop. Voilà. Bim. C'est ouvert. Vite. Bon, bah, du coup, je peux passer par là. Hein. Hop. Merci. Hop là, merci, merci, merci. Par là, par là. Par là, par là. Tac. On s'accroupit. Hop, hop, on y va. Je m'en vais, je m'en vais. Allez, avance, avance mon petit coco. Oui, oui. Oui, on est libre. Regardez. Ah, l'ambiance. Au revoir. Bon, ils sont plus là. Ah, Sandrina est là. Au revoir ma petite Ziand. Enfin, yes, on a terminé Granit 3. Certes, c'était en mode practice, mais sinon, voilà, j'y serais pas arrivé. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, où sont les objets, où est le coffre, où mettre la planche, où est le deuxième vase. Donc, dans la prochaine vidéo, on refera en mode facile et on va essayer de s'en aller avec les 3 monstres. Bien sûr, je pense qu'il faudra placer le Teddy pour se débarrasser de Lenrina. Dites-moi dans les commentaires vos astuces, vos conseils, et si vous voulez voir d'autres vidéos Granit 3, laissez un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!